yoga, déjà, pour moi, ça rime avec le partage. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé l'enseignement, car j'aime pouvoir partager avec les élèves, avec toutes ces personnes sur leur tapis, ces moments forts. Ça peut être des moments difficiles corporellement, physiquement. Ça peut être des moments aussi intenses, car tu vas traverser des émotions très importantes sur ton tapis, ou des fois, il va même se passer rien et c'est très bien. C'est ça aussi le partage de la respiration, car on s'entend respirer quand on est ensemble sur les tapis. On s'entend respirer, on se connecte au rythme de nos voisins, à droite, à gauche. Moi, je me connecte à mes élèves, les élèves se connectent à moi. Et bien sûr aussi, tout ça, c'est de l'amour, clairement, parce que c'est l'amour de ton corps, c'est l'amour de ta personne, car tu prends le temps de venir sur ton tapis pour pratiquer. Et c'est aussi l'amour de partager cette magnifique philosophie, science qu'est le yoga, car ce n'est que compassion, amour, bienveillance, et de soi et des personnes qui nous entourent. Donc, yoga is magic. J'en ai plein des souvenirs yogiques émouvants, mais j'en ai un en particulier. C'était donc chez Simone, qui est une salle de sport et studio yoga à Paris. Pendant un cours avec mes élèves, et il y a eu une espèce vraiment de réelle union entre tous les élèves et moi-même. Et j'avais vraiment, à chaque inspiration qu'ils avaient, j'avais des frissons, à chaque expire, c'était complètement cosmique. Et je me rappelle ce jour-là, j'arrêtais pas de leur dire, pendant que je tournais autour d'eux dans le cours, j'arrêtais pas de les regarder. Je disais, mais qu'est-ce que vous êtes beau, c'est beau! Et ils souriaient, il y a des élèves qui ont pleuré, enfin, on s'est vraiment tous connectés et c'était. Ça me manque énormément déjà. Et on s'est tous connectés à ce moment-là et c'était extraordinaire. On s'est connectés par le mouvement et par la respiration et c'était que du bonheur. Mon mantra préféré, c'est Loka Samasta Sokinu Bhavantu. Ce mantra, pourquoi je l'adore? Car c'est clairement un mantra de paix. Tu souhaites en fait à toutes les personnes qui t'entourent ou à l'humanité en général ou à une personne, ça dépend de ton intention dans ton mantra, tu souhaites en fait la paix, le bonheur et la liberté. Et tu souhaites à travers ce mantra que toutes tes actions, que tous tes mots, que toutes tes pensées contribuent au bonheur et à la liberté de cette personne ou de cette planète ou de all people around you.